Madame la préfète, monsieur le secrétaire général, messieurs les députés, mesdames, messieurs les sénateurs, messieurs les représentants du Conseil régional, monsieur le président du Conseil général, cher Bernard, monsieur le président de l'Association des maires, cher Jean-François Barnier, madame la députée européenne, chère Françoise, messieurs les représentants de la gendarmerie et de l'armée, monsieur le représentant du corps des sapeurs-pompiers, mesdames, messieurs représentant la cour d'appel, mesdames, messieurs les dignitaires de la Légion d'honneur, les compagnons de la Libération, les dignitaires de l'Ordre national du mérite, mesdames, messieurs les présidents du tribunal, monsieur le procureur de la République, mesdames, messieurs les membres du Conseil régional, mesdames, messieurs les représentants des administrations d'État, monsieur le président de l'université, messieurs les directeurs des grandes écoles, monsieur le premier adjoint, cher Gilles, mesdames, messieurs les élus, chers collègues et chers amis, mesdames, messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames, messieurs les représentants de l'ordre des avocats et des ordres professionnels, mesdames, messieurs les représentants des associations stéphanoises, madame la traductrice, mesdames, messieurs, mes chers concitoyens, permettez-moi de revenir sur l'ignoble attentat visant Charlie Hebdo et les prises d'otages tragiques en région parisienne. Presque tous les hommes sont esclaves, faute de savoir prononcer les syllabes « non », disait Champfort. Le 7 janvier 2015 restera dans l'histoire de France, comme une de ces journées au cours desquelles les Français ont dit non. Non à la barbarie, non à l'ignorance, non à l'intolérance, non à la haine, non à l'asservissement. Le 7 janvier 2015, par la faute de quelques fanatiques, nous nous sommes tous rendus compte que nos démocraties sont fragiles. Une fragilité qui, par un paradoxe étrange, fait leur force. Nous avons fait le choix, maintes fois confirmé par notre histoire, de considérer que les hommes, au-delà de leurs différences et guidés par la raison, peuvent se réunir autour de valeurs communes. Nous avons ainsi construit, de manière parfois hésitante, notre République, celle que nos aînés nous ont léguée, celle qui ne déroge pas à ce pacte multiséculaire qui existe entre la France et la liberté, celle qui construit, jour après jour, un destin commun, fondé sur l'état de droit, celle qui fonde le vivre ensemble, sur cette valeur essentielle qu'est la laïcité, celle enfin qui tire sa noblesse de savoir aider le plus faible, l'aider parce que nous voyons en lui notre semblable en ce qu'il partage les mêmes valeurs de l'humanisme républicain. Ces événements tragiques nous font penser à cette phrase de Camus dans La Peste. La bêtise insiste toujours, et on s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours à soi. L'élan national que cet acte barbare a suscité démontre que notre société a besoin de retrouver des repères collectifs solides, afin de penser ensemble cet horizon commun qui nous dépasse tous. Nous ne pourrons pas construire d'avenir partagé en dehors de la République et de ses valeurs, au premier rang desquelles nous plaçons la laïcité. Il nous appartient de réaffirmer cela tous les jours, partout en France et ici à Saint-Étienne, notre ville, où la diversité a donné naissance à cette identité si particulière, à la fois consciente de son histoire, mais toujours soucieuse de s'ouvrir aux autres. Nous devons avoir le souci de penser ensemble le temps et l'autre, comme l'affirme Emmanuel Lévinas. Oui, de ce rapport réfléchi au temps et à l'autre, nous éviterons ce que certains analysent de matière hâtive,
comme le choc des civilisations. Pour ma part, je crois depuis longtemps que nous sommes de plus en plus en présence d'un véritable choc des ignorances. La méconnaissance est le fondement de la haine, de même que l'ignorance est celui du fondamentalisme. Veillons donc, dans notre quotidien, à rester fidèles aux valeurs qui fondent notre République. Ce faisant, nous bâtirons ensemble l'avenir de notre ville. Je vous propose maintenant de partager ensemble une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes des attentats terroristes qui nous ont frappés au cœur la semaine dernière. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, je dois avouer que la transition n'est pas facile. On pourrait éprouver une certaine forme de culpabilité à parler de l'avenir, à formuler des vœux en ces terribles circonstances. Mais l'énorme mobilisation des Stéphanois dimanche dernier a démontré que nous ne céderons jamais à la peur de l'avenir. Et je dois vous le dire, quand nous nous sommes retrouvés en haut des marches de l'Hôtel de Ville, alors que la tête de cortège l'atteignait et que la fin n'avait pas encore démarré de Château-Creux, j'ai éprouvé un immense sentiment de fierté. J'étais fier d'être le maire d'une ville capable de se lever comme un seul homme pour dire que le terrorisme ne sera plus fort que les valeurs que nous défendons. Mon engagement est le même pour Saint-Étienne, ne jamais céder. Vous le savez, depuis notre élection, avec toute l'équipe municipale, dont je tiens à saluer le formidable engagement, et j'en ai connu des équipes municipales dans la majorité, dans l'opposition, mais rarement avec des femmes et des hommes autant engagés au nom de nombreux sacrifices professionnels et personnels au service des Stéphanois. Eh bien, à leur côté, je me bats quotidiennement pour que Saint-Étienne retrouve son rang et participe pleinement à la grande compétition internationale des métropoles. En œuvrant de la sorte, nous resterons fidèles à notre histoire et à notre ambition collective, transformer notre ville pour contribuer à rendre le monde meilleur. Oui, Saint-Étienne change le monde. Vous avez vu fleurir dans toute la cité ces affiches qui rappellent combien Saint-Étienne fait preuve depuis toujours de créativité, d'innovation, et de savoir-faire. 2015, l'année qui commence, verra dans quelques semaines débuter la Biennale internationale de design, qui va encore une fois, aux yeux du monde, montrer l'excellence stéphanoise. Eh bien, c'est cette excellence stéphanoise qui me fait penser que nous avons tout pour réussir. C'est cet enthousiasme, cette croyance en nos forces que j'ai envie de vous faire partager ce soir au nom du Conseil municipal. Je sais que la solution réside en nous. La somme de toutes nos énergies dépasse de beaucoup leur simple addition. Elle constitue cette énergie positive dont nous avons besoin pour croire en l'avenir de notre ville. Lorsque j'affirme que je suis le premier VRP de Saint-Étienne, c'est précisément à cela que je fais référence. Or, les difficultés que nous devons surmonter sont grandes et constituent des obstacles qui demandent notre engagement au service d'un projet commun.
Nous savons que 2015 sera une année compliquée, notamment en raison de la réduction historique des dotations de l'État. D'ici 2017, l'aide financière de l'État à Saint-Étienne diminuera de plus de 17 millions d'euros. Vous l'avez vu la semaine dernière, la suppression de l'aide de l'État pour notre conservatoire régional en 2015. C'est sans précédent dans l'histoire des finances publiques. C'est un mouvement historique auquel il nous est demandé, en tant qu'élus, de faire face. Et le président de l'Association des maires ici présent, Jean-François Barnier, comme François Baroin et André Léniel, son vice-président, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une réalité qui va s'imposer à l'ensemble des communes. Alors comment faire face ? Nous aurions pu, comme le par le passé, faire des Stéphanois et des entreprises la variable d'ajustement. Un point de fiscalité par-ci, un point de fiscalité par-là, le tour est joué. C'est simple, c'est facile, et puis c'est tellement habituel. Eh bien, notre équipe a décidé de dire non. Parce que cette fuite en avant conduit inexorablement à vider notre ville de toutes ses énergies créatives, qui assurent son développement et donc son avenir. Elle a participé à faire en sorte que des entreprises ou des particuliers quittent notre ville. Ils ne sont pas allés très très loin. Mais ils ont affaibli la ville-centre. Lors des 6 dernières années, nous avons encore perdu plus de 6 000 habitants. Nous devons tout faire pour stopper cette hémorragie qui transforme Saint-Étienne. Et c'est la raison pour laquelle, ensemble, nous nous sommes fixés un objectif ambitieux de regagner d'ici 2030 30 000 habitants. Ça peut paraître inatteignable, surréaliste. Pourtant, d'autres villes y sont parvenues. Alors pourquoi pas nous ? Bordeaux l'a fait. Dunkerque l'a fait. Alors pourquoi pas Saint-Étienne ? Est-ce qu'il existerait une fatalité stéphanoise ? Eh bien, je ne le crois pas. Et notre équipe refuse cette résignation qui est trop souvent mise en avant par le passé. Oui, nous avons refusé d'augmenter les impôts, tant à la ville qu'avec les 45 maires de l'agglomération. Ne pas faire peser ce poids sur les habitants et sur les entreprises pour favoriser le développement local. Les contribuables stéphanois ne seront pas les variables d'ajustement de politique nationale qui grèvent lourdement le pouvoir d'achat ou leur capacité d'investissement. Ceci, évidemment, suppose une gestion rigoureuse des finances de la ville. Nous souhaitons poursuivre le mouvement de désendettement qui a été entamé il y a maintenant 20 ans. Nous maîtriserons, comme l'a démontré cette semaine le débat d'orientation budgétaire, nos dépenses. Et nous continuerons à investir dans l'excellence de notre ville pour un projet ambitieux au service de tous. C'est celui que vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres, cette semaine, le plan de mandat que nous avons présenté à l'ensemble de la population. Ce cap, fixé par notre municipalité, démontre qu'on peut tout à la fois se donner des objectifs élevés pour la ville et pour l'amélioration de la vie quotidienne des habitants, mais aussi maîtriser l'évolution des finances publiques locales. Contrairement à une époque récente, on ne peut pas considérer que la diminution des moyens budgétaires et la crise économique sont autant d'excuses pour justifier l'immobilisme ou tomber dans le fatalisme. C'est autant une histoire de bon sens que de méthode. Nous faisons le choix d'un travail quotidien, souvent discret, mais qui ne poursuit que l'intérêt général. Et on vient de le démontrer avec la gestion des emprunts toxiques qui venait à échéance d'ici 2020. Nous avons pris le problème à bras-le-corps, sans tapage médiatique, sans ostracisme, et avec la volonté d'une vision pragmatique afin de trouver une solution concrète et réaliste. Et nous avons trouvé cette solution. Les trois quarts des emprunts toxiques restants ont été éradiqués et cette part est passée de 25% à 5%. C'est une épée de Damoclès en moins sur les finances de la ville jusqu'en 2020.
je n'élude pas le fait qu'il en reste un. Son échéance est fixée à 2020. Et bien entendu, nous sommes déjà à pied d'œuvre pour lui trouver une sortie positive pour la ville. Nous avons bouclé les autres en 8 mois, donc sur ce sujet, qu'on nous laisse travailler tranquillement pour résoudre le dernier dossier. C'est la première fois que j'en parle devant vous, et la dernière, car je considère que ce sujet a causé beaucoup de tort à l'image de notre ville et qu'il aurait pu être réglé sans tambour ni trompette. Vous l'avez compris, mesdames, messieurs, il faudra cette année 2015 faire mieux avec beaucoup moins. Pour autant, ce n'est pas une raison pour ne pas agir. Agir en faveur de l'environnement, par exemple. Vous l'avez sans doute vu en suivant l'actualité, nous avons décidé de favoriser le recours en transport en commun. Je ne veux pas opposer les piétons aux cyclistes, les transports en commun en voiture, tout simplement parce que les uns et les autres, nous sommes, suivant les moments de notre vie, les moments de la journée, les moments de l'année, l'un ou l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, en matière de transport en commun, nous avons mis en place le pass 10 voyages à 10 euros, réduisant ainsi de plus de 20% le prix du trajet. C'est la raison pour laquelle, dans quelques semaines, nous annoncerons une augmentation historique du kilométrage des pistes cyclables, 30% environ. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec l'agglomération de renouveler entièrement nos tramways, 50% entièrement neufs, avec plus de sécurité, plus de confort, plus de passagers par rame, et l'autre moitié entièrement rénovée. Ce sera pour 2017. C'est une mesure que nous avons souhaitée avec Gilles Artigues et nos collègues de l'agglomération, doublé de la volonté de reconnaître l'engagement de ceux qui ont servi la France dans tous les conflits, en les rendant gratuits, en rendant gratuits les transports en commun pour eux et pour les veuves des anciens combattants. Au service de l'économie et du commerce également, puisque nous travaillons sur un nouveau schéma de gestion des flux de circulation, tout simplement pour favoriser la fluidité des transports. Et grâce à cette mesure, nous sommes convaincus que nous favoriserons le commerce de proximité, qui est le moteur essentiel de la vitalité de notre centre-ville, après là aussi des années d'immobilisme, de recul et d'affaiblissement. Je rappelle que l'emploi salarié chez les commerçants a baissé de 8% ces 6 dernières années. Et puis nous devons nous laisser guider par notre sens de l'innovation et par notre créativité. Ce sont les marques de fabrique de Saint-Étienne. Elle contribue à l'énergie collective dont nous avons besoin pour réunir les conditions de la réussite. Car à Saint-Étienne, nous avons des ressources extraordinaires. Et je voudrais que vous en soyez tous convaincus et des ambassadeurs. Il faut s'en convaincre et l'affirmer avec force partout où nous nous trouvons. Car d'aucuns, peut-être par tradition, peut-être par humilité, véhiculent encore ce sentiment d'infériorité, cette fameuse Beausaigne attitude. D'autres ont pendant des années porté un message si négatif qu'il ne faut pas s'étonner que certains commentateurs font de Saint-Étienne la capitale des taudis. Eh bien ça, je ne veux plus l'entendre, je ne veux plus le lire où que ce soit. Pendant notre mandat, nous consacrerons toute notre énergie et notre détermination à éradiquer le taudis des esprits, ce qui pèse dans notre imaginaire et qui nous empêche de tirer bénéfice de nos atouts. Mes chers amis, nous le savons tous, Saint-Étienne dispose des atouts qui lui permettent de jouer son rôle au sein des grands centres urbains français et européens. Un enseignement supérieur de qualité, qui s'appuie sur des compétences avérées et recherchées, qui explique d'ailleurs la présence de plus de 25 000 étudiants à l'université, dans les grandes écoles, plus de 3 000 étudiants étrangers. Un tissu d'entreprise, dans leur écrasante majorité des PME familiales, attachées à Saint-Étienne et à sa région. Un tissu qui créera des emplois pour peu qu'on lui offre l'environnement adéquat. Avec ses 20 000 entreprises, le deuxième bassin de France après l'Île-de-France, comment peut-on penser un seul instant que notre ville n'a pas un levier d'action pour combattre le chômage ? Une offre culturelle également de grande qualité, elle aussi reconnue sur le plan national et international. Elle s'appuie d'une part sur nos grands équipements comme l'opéra-théâtre, la comédie, le musée d'art moderne, le musée d'art et d'industrie,
Et elle s'appuie également sur un tissu associatif dynamique qui favorise les pratiques culturelles de proximité en offrant à chacun la possibilité de vivre son propre parcours culturel. Là encore, nous ne souhaitons pas opposer les institutions aux associations. Permettez-moi aussi de saluer au-delà l'ensemble des associations de notre ville qui œuvrent quotidiennement au sein de la cité. Culture, sport, solidarité, tant d'autres domaines couverts qui attestent de cet élan des Stéphanois à aller vers l'autre pour mieux comprendre la diversité. Oui, là aussi, c'est un atout que de nombreuses villes peuvent nous envier. Sans oublier le design, bien sûr, souvent cité par beaucoup, mais en définitive, assez peu compris dans son rôle de levier développement économique parmi les Stéphanois. Ça reste encore une notion relativement abstraite. Pourtant, le design, comme le numérique, est le gage d'une recherche fondamentale et appliquée de qualité, de niveau mondial, qui offre à notre ville de nombreux débouchés. Et nous devons davantage valoriser ce label UNESCO Design, que nous sommes la seule ville française à pouvoir revendiquer, aux côtés de 9 autres villes dans le monde, de grandes capitales, Séoul, Berlin, Shanghai. Construire une cité du design ne suffit pas en soi. Il faut lui assigner des objectifs clairs, ambitieux, pour que toutes nos entreprises puissent en bénéficier. Mais il faut aller aussi au-delà. En allant prospecter des entreprises pour qu'elles viennent utiliser l'intelligence de la cité. Je pense à la convention signée en fin d'année avec Suez Environnement, un contrat de recherche de 2 ans qui servira le groupe dans le monde entier. Je souhaite que notre territoire devienne le symbole de l'excellence dans ce lien si complexe entre la recherche et l'économie. J'ai parlé du design, mais j'aurais pu parler également des technologies médicales. Car notre économie de la manœuvre est passée. Et depuis longtemps, nous avons maintenant atteint le stade de l'économie de la tête d'œuvre. Ne vous trompez pas, il ne s'agit pas pour autant d'une démarche élitiste. De cette économie fondée sur la connaissance, sur la créativité, naîtront aussi des emplois dans les secteurs traditionnels qui restent le socle incompressible sans lequel aucune métropole ne peut se développer. Et je rappelle que la mécanique reste le premier employeur sur notre territoire. Là aussi, tout est dans l'équilibre. La Biennale du design, qui va commencer dans quelques semaines, le 12 mars, nous offre la possibilité de faire prendre conscience à tous de l'économie d'excellence qui est déjà présente sur notre ville. Simplement, trop souvent, nous n'en sommes pas suffisamment conscients nous-mêmes. Et cette démarche, j'en suis convaincu, est la seule qui permettra à Saint-Étienne, après des années d'immobilisme, de se remettre en route. Avec envie, avec passion, avec enthousiasme, avec volonté, voilà des valeurs de notre ville que j'ai envie de partager avec vous et dont nous aurons besoin pour réussir cette année 2015. En quelques mois, j'ai rencontré de nombreuses sociétés qui croient en nous. Et les premiers résultats se font sentir avec des accords, des conventions, avec plusieurs entreprises comme Carlson Wagon Lee, Courtepaille, KFC, Linamar. Déjà, ce sont des centaines d'emplois qui ont été sauvés ou créés cette année. Notre volonté, c'est de convaincre des investisseurs, des promoteurs, de croire et d'investir à Saint-Étienne. De nombreux groupes ont manifesté depuis quelques semaines leur désir de revenir à Saint-Étienne. Ils veulent développer des projets et relancer ainsi leurs activités locales. Ce frémissement est réel et il débouchera en 2015 sur des lancements de projets forts. Mais pour ce faire, nous devons, et c'est le sens de notre action, commencer par le respect des engagements fondamentaux du plan de notre mandature. Penser à l'avenir, le préparer, mais répondre aussi aux préoccupations quotidiennes de nos concitoyens
la sécurité et la propreté. La sécurité, c'est notre première des libertés. Les événements tragiques de la semaine dernière sont d'ailleurs venus nous le rappeler avec force. Il est évident que nulle politique de sécurité ne peut combattre avec une absolue efficacité la détermination de ceux qui sont prêts à se donner la mort pour terroriser. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de baisser la garde dans la vie quotidienne. C'est là aussi que nos concitoyens attendent et espèrent des actions concrètes. Dois-je rappeler qu'en 1789, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, inscrit dans le marbre à jamais, les droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Dans le contexte actuel des restrictions budgétaires, c'est un signe fort que nous avons voulu donner aux Stéphanoises et aux Stéphanois. Celui de retrouver la tranquillité dans les espaces publics, d'aller à venir à sa guise, en sérénité. Plus contagieuse que la peste, la peur se communique en un clin d'œil, disait Nicolas Gogol. Eh bien, il avait raison. Et nous allons continuer de donner, puisque le processus a déjà été engagé en 2014, les moyens aux policiers municipaux de faire respecter l'ordre sur l'espace public. Une quarantaine d'agents, dont 27 agents de police, ont été recrutés. Ils ont été dotés de moyens supplémentaires, en armes. Je considère qu'il est quand même bien la moindre des choses que les policiers, qui sont là pour assurer notre sécurité, soient au moins aussi bien armés que les voyous qui sont là pour la mettre en danger. Ce n'était pas le cas, c'est le cas depuis le 15 décembre. J'ai souhaité également que les équipages soient équipés de caméras embarquées pour faire face à toutes les formes de violence et en toute transparence. Le développement de la vidéosurveillance est elle aussi prévu dès cette année, étoffé, modernisé. 25 nouvelles caméras seront déployées, en plus de la centaine déjà existante, et une quinzaine passeront de l'analogique au numérique pour une meilleure performance. Et je tiens à remercier Madame la Préfète, Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Directrice de la Sécurité Publique, avec qui nous travaillons en totale collaboration et en confiance sur ces sujets. Si nous avons souhaité développer cette vidéosurveillance, c'est tout simplement parce qu'elle permet de manière beaucoup plus efficace, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, d'orienter les effectifs de police là où il se passe des événements. Et je rappelle que l'ensemble des images peuvent être basculées en temps réel cour Fauriel à la police nationale de façon à mutualiser nos forces. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire à Madame la Directrice, notamment dans cette période, je le répète, la municipalité mettra ses moyens humains, techniques, à sa disposition pour contribuer, participer aux efforts d'organisation qui sont les siens, avec efficacité. L'objectif, c'est de moderniser et de doubler le parc de vidéosurveillance d'ici la fin du mandat. Et puis, dès cette année, nous allons également généraliser la vidéo-verbalisation dans un nouveau périmètre qui sera signalé évidemment par de la panoptique sur les plages Jean Jaurès, Hôtel de Ville, rue Aristide Briand, La Paix, rue Alsace-Lorraine, rue Louis Braille, rue du Général Foy, rue du Président Wilson. Là aussi, ça fait partie du respect de l'espace public. Et puis nous avons pris également de nouveaux arrêtés municipaux qui permettront en outre aux agents de police municipale et nationale d'intervenir plus efficacement envers celles et ceux qui troublent l'espace public parce qu'ils y consomment de l'alcool et que c'est interdit, parce qu'ils ont des chiens non tenus en laisse et que c'est interdit, et parce qu'ils empêchent tout simplement les familles, les Stéphanoises, les Stéphanois de pratiquer la ville comme cela devrait être le cas. Je souhaite que, en 2015, l'espace public soit rendu à la population avec un cadre de vie plus apaisé. Nous devons nous montrer fermes avec ceux qui remettent en cause ces principes élémentaires qui fondent les conditions du vivre ensemble. Offrir un cadre apaisé, c'est un impératif pour tout maire qui est conscient de ses devoirs. C'est le minimum que nous devons à notre population.
Et parce qu'il s'agit aussi d'un des fondamentaux du bien vivre en collectivité, la propreté a déjà fait et fera évidemment encore en 2015 l'objet d'attentions particulières et de nouveaux matériels de nettoiement vont être acquis dès cette année. Ce cadre de vie apaisé, tout comme la propreté, constitue, c'est évident, des éléments d'attractivité. Mais comme l'attractivité ne s'arrête pas là, nous allons aussi consacrer une part importante du budget 2015, 18 millions d'euros, dans la maintenance des immeubles municipaux. Je pense à l'entretien des écoles, je pense aux centres sociaux, je pense à la qualité de la voirie, où le design et le développement durable auront toute leur place. Il ne s'agit pas d'avoir des panneaux 4x3 sur les entrées d'autoroute qui disent « Saint-Étienne est une ville design ». Ce que je souhaite, c'est que quand on rentre dans la ville, sur nos places, le design se montre à nos habitants et à nos visiteurs. Nous poursuivrons également nos efforts en matière de rénovation urbaine. Ce ne sera sans doute pas simple, puisque, vous le savez, l'État diminuera sans doute les crédits alloués aux quartiers relevant de la politique de la ville. On n'a pas encore les derniers chiffres. En tout cas, le nombre de quartiers s'est restreint. Et là aussi, nous ferons face à nos obligations, car les Stéphanois ne doivent pas devenir les variables d'ajustement des politiques nationales. Et je ne doute pas un instant que les parlementaires de notre ville sauront porter ce message auprès du gouvernement. Il en va de l'intérêt général. Nous le poursuivons tous. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire depuis notre élection, je les solliciterai en ce sens. Tout simplement parce que le temps de la campagne électorale est terminé et que ces questions-là dépassent largement les clivages politiques. Notre ville a besoin de maintenir l'effort qui est le sien, car j'en suis convaincu, grâce à un habitat de qualité, un espace public maîtrisé, par des aménagements de quartier également, nous créerons les conditions de la réussite de Saint-Étienne. Nous poursuivrons une politique de démolition des immeubles vétustes, tout en développant des respirations urbaines, pas forcément chercher à reconstruire là où on démolit, pour créer des aménagements publics, de stationnement, des espaces verts, agréables à vivre, des espaces de proximité. J'ai aussi, de manière très claire, exprimé notre volonté en matière de logements sociaux. Je vais la rappeler brièvement. Je considère que le logement social, évidemment, a toute sa place dans notre ville, mais je considère aussi que, compte tenu du nombre de logements vacants, il est aujourd'hui en quantité suffisante sur la ville. Environ 10 000 logements vacants, une dizaine de pourcents pour les bailleurs sociaux. Et ce que je souhaite, c'est que Métropole Habitat, dont je salue le président Jean-Pierre Berger et le conseil d'administration ici présent, qui est le bras armé du logement social dans notre ville, doit prioriser ses investissements sur la rénovation des logements existants qui ont été construits dans les années 60-70, démolir ceux qui ne méritent pas une rénovation, une réhabilitation, de façon à donner tout simplement envie aux gens d'y habiter. Quant aux autres offices, moi, je n'ai pas le pouvoir de leur interdire ou pas de construire à Saint-Étienne, mais je ne souhaite pas que la ville cautionne les emprunts qu'ils seront amenés à faire pour construire, parce que je considère, encore une fois, et en dialogue avec l'ensemble des bailleurs sociaux, que nous devons aujourd'hui améliorer la qualité de l'existant et pas recréer du logement nouveau. En revanche, des logements nouveaux, nous en avons besoin, en copropriété, pour atteindre cette mixité sociale qui a été quelque peu déséquilibrée. Et on se rend compte sur des premiers programmes, Place Jean Moulin ou au Cré de Roc, que des projets qui partis initialement en logements sociaux que nous avons suspendus ont trouvé des investisseurs privés, des promoteurs intéressés pour construire, pour prendre des risques, et ils ont trouvé des clients. D'autres projets seront poursuivis ou commencés. Maintenant que notre équipe budgétaire a dégagé les ressources budgétaires nécessaires, je pense entre autres à la finalisation de la construction du groupe scolaire Manufacture, démarré dans le mandat précédent. Je pense à notre décision de rénover entièrement l'école de Molina.
Je pense à la fin de la construction de la Comédie, à la fin des travaux du parking du Clapier. Nous pensons aussi à la requalification de la Comédie rue Émile Loubet, parce qu'on nous avait laissé une friche. Il y avait une nouvelle Comédie, il y avait une ancienne, mais aucun projet ni aucun budget pour l'ancienne. Et là aussi, c'est un positionnement stratégique en centre-ville. Et nous avons un projet très intéressant pour notre richesse culturelle et associative. Au sein de la grande aire métropolitaine lyonnaise, nous souhaitons également que Saint-Étienne joue un rôle important. Et ce rôle sera d'autant plus important qu'elle se trouve désormais au centre de la nouvelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, une décision du gouvernement que j'approuve. Je pense que c'est un bon choix. Majoritairement, je crois qu'il n'y a que des échos favorables à cette proposition. Et pour échanger très souvent avec Gérard Collomb, le maire de Lyon, ou avec Olivier Banqui, le maire de Clermont, on échange surtout pour préparer l'avenir. Il y aura 4 grandes villes dans cette agglomération. Nous en sommes la 2e, derrière Lyon, mais la 3e agglomération derrière Grenoble depuis un an maintenant, ce qui permet d'ailleurs à Grenoble de devenir une métropole, tout comme Lyon depuis le 1er janvier dernier. Clermont-Ferrand évolue en communauté urbaine, avec la volonté, me disait son maire Olivier Bianchi, de la transformer en métropole, s'appuyant sur le fait que Clermont est aujourd'hui une capitale régionale. Et je pense que nous prendrions un risque certain, je pense d'ailleurs avoir convaincu les maires de l'agglomération, à attendre, à regarder les autres se développer et à ne rien faire de notre côté sur l'évolution de l'agglomération. Tout simplement parce que nous aurions un triangle Lyon-Grenoble-Clermont-Ferrand dont nous serions exclus. Et je suis convaincu également que la politique de l'État, par l'organisation de ces grandes régions, de façon à avoir des politiques régionales plus lisibles, plus claires, plus efficaces, moins coûteuses, serviront aussi de développement des politiques régionales en s'appuyant sur ces métropoles pour l'université, pour le médical. Et ce que je souhaite, c'est que le triangle qu'on est en train de voir se former devant nous devienne un quadrilatère dont Saint-Étienne serait le 4e angle. Je crois que c'est une chance, cette opportunité, qui commande aussi donc de faire évoluer notre ville au cœur même de son intercommunalité pour tracer de nouvelles perspectives, pour rendre également plus efficace l'action publique au service de tous les habitants. Et je ne doute pas que Madame la Préfète, appuyée par son secrétaire général, dans quelques mois, avec la commission départementale de coopération intercommunale, va commencer à redessiner, comme l'État le lui demande, les contours, les périmètres des communautés de communes, des communautés d'agglomération, conformément à la loi qui a été votée récemment. Eh bien, élu de métropole, on a décidé plutôt de prendre notre destin en main et de faire des propositions à Madame la Préfète, plutôt que de subir des décisions qu'il faudra bien prendre. On n'est pas les seuls, Dieu merci. J'ai déjà rencontré un certain nombre de présidents de communautés d'agglomération, de communautés de communes, qui, comme nous, se posent des questions. Il ne s'agit pas de jouer à la grenouille qui veut devenir bœuf. Hein, vous connaissez tous, à la fin, elle finit par exploser. Pas une fin très heureuse. Ce qu'il s'agit de faire, c'est de construire un périmètre qui soit cohérent, qui corresponde au bassin de vie naturel. Si on a l'habitude de se rendre à Saint-Étienne pour son travail, quand je dis Saint-Étienne, c'est l'agglomération stéphanoise, pour son travail, pour ses loisirs, pour faire du shopping, pour ses études, bah, c'est peut-être bien qu'on a une part de notre avenir qui commande de travailler ensemble. C'est dans cet état d'esprit que nous abordons ces réflexions. Et je suis optimiste, Madame la Préfète, sur notre capacité à vous faire des propositions avant que vous n'utilisiez votre ciseau. Je souhaite, et tous les Stéphanois avec moi, que Saint-Étienne continue de rayonner, mais à une autre échelle, puisque nous savons que désormais les enjeux et les défis pour nos territoires dépassent largement les frontières de la France. Alors cette année, nous rayonnerons avec le Paris-Nice
qui verra pour la première fois de son histoire Paris-Nice, qui s'appelait, je vous le rappelle, Paris-Saint-Étienne-Nice. C'est un retour aux sources. Qui verra une arrivée pour la première fois à la Croix de Chaubouret, et pour la première fois aussi un départ depuis les rues de notre centre-ville. Nous rayonnerons encore avec la Biennale internationale de design, qui se déroule pour la première fois sur un mois, qui mettra à l'honneur la Corée du Sud, et qui verra des dizaines de milliers de visiteurs prendre toute la mesure du design made in Saint-Étienne, dans la ville, mais aussi dans l'ensemble de la métropole, et même au-delà, puisque Lyon, au sein du conseil régional, présentera également une exposition décentralisée. Nous rayonnerons encore avec le congrès national de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSEA, et de nombreux autres congrès, qui nous permettra de faire connaître notre baie de ville à des milliers de congressistes. Là aussi, j'ai souhaité, sur ce créneau des congrès d'affaires, du tourisme d'affaires, qu'on mette davantage nos forces en commun et qu'on joue cette carte qui est économiquement, bien entendu, ça se comprend, positive, mais également un facteur d'image sans pareil. Parce que, comme moi, sans doute, vous entendez quand vous invitez des amis, des clients, des prospects, des fournisseurs qui ne connaissent pas Saint-Étienne, « Ah ben, je ne m'attendais pas à ça ». C'est souvent un regard positif, surpris mais positif. Donc il faut les faire venir chez nous. Nous rayonnerons également avec un match préparatoire de l'équipe de France, France-Danemark, dans le Chaudron, qui sera prêt pour cette grande compétition de l'Euro 2016. Nous rayonnerons encore cette année, j'en suis convaincu, le début de saison le montre, avec la SS. On peut les applaudir. Ils ont fait un parcours presque sans faute dans cette première partie de saison. Je salue d'ailleurs Roland Romeyer et Dominique Rocheteau qui nous font le plaisir d'être avec nous ce soir. On vous soutient. Et puis merci également de soutenir par vos résultats l'image de la ville. Parce que la SS, quoi qu'on dise, c'est une valeur sûre. Et depuis que ce duo de président est à sa tête, il faut reconnaître que la stabilité porte ses fruits. On le voit dans les résultats. Bon, il n'y a pas de message, mais je pense qu'en politique, c'est pareil. À condition que, évidemment, les premières parties de saison soient réussies. Oui, mesdames, messieurs, 2015 sera assurément une année intense pour faire parler en positif, en constructif, de notre ville. Une ville plus sûre, plus agréable à vivre, une ville à dimension humaine qui soit accessible à tous, une ville sportive, accueillante, notre Saint-Étienne. Pour réussir, j'ai besoin de vous. L'équipe municipale qui est devant vous, unie, rassemblée, et j'ai souhaité qu'elle soit ici devant vous au complet, parce que chacune des délégations est pour moi importante, tout simplement parce que chacune des délégations compte pour les Stéphanois. Le Stéphanois est autant interpellé par notre volonté de construire cette métropole, questionné par notre place aux côtés de Lyon, que par les questions de voirie, que par les questions de propreté, que par les questions d'efficacité du service public dans les mairies de proximité. Voir loin, répondre aux préoccupations de l'avenir, eh bien, c'est au service des Stéphanois et de ses missions que toute l'équipe municipale, unie, rassemblée, est aujourd'hui au travail. Et j'ai envie de les applaudir avec vous. J'ai besoin de vous parce que cette équipe municipale, ça représente un catalyseur d'énergie. Et ces énergies, c'est vous. Énergie de la vie économique, énergie de la vie sociale, énergie de la vie associative. Tous ceux que j'ai cités précédemment. Chacun dans votre domaine, vous menez des actions positives, des actions qui font avancer Saint-Étienne.
et je suis convaincu qu'il nous faut rassembler ces énergies, aller dans le même sens, d'où ma volonté d'expliquer ce plan de mandat que nous avons largement partagé avec les Stéphanois, mais dans les différents milieux, pour que chacun puisse se l'approprier, que chacun puisse comprendre qu'il est essentiel pour que Saint-Étienne réussisse, pour que tout simplement nous avancions ensemble et dans le même sens. Et s'il y a des points de désaccord, c'est normal, eh bien qu'on puisse en parler pour pouvoir les faire évoluer. Mais il n'y a rien de pire dans une équipe, et ce n'est pas Roland qui va me contredire, quand on joue contre son camp ou qu'on ne sait plus de quel côté est le but. Pour terminer, j'ai envie de rappeler cette pensée d'Antoine de Saint-Exupéry qui traduit parfaitement notre enthousiasme et notre état d'esprit. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Eh bien, j'ai envie de vous inviter, cette année, à ouvrir tous ensemble le champ des possibles. Et même si les circonstances récentes rendent l'exercice difficile, mais nous avons décidé à plusieurs occasions, Madame la Préfète, que la vie doit continuer, je tiens aussi simplement que possible, mais très sincèrement, à vous souhaiter à chacune, à chacun d'entre vous, une excellente année 2015, une année de bonne santé. On se rend compte de la richesse que ça représente quand elle nous échappe. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, c'est important aussi pour avancer. Et je vous souhaite ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, une excellente année 2015. Merci de votre attention.